Imaginez que votre meilleur ami est à la fois votre pire ennemi. Une rivalité qui ne date pas d'hier. Deux colocataires, deux personnalités aux antipodes. Un combat sans merci, une lutte pour l'honneur et pour éviter la claque finale. Frank versus Girard. Cette semaine, le défi, qui est le meilleur séducteur? À quelle heure ils ont dit qu'ils venaient porter l'enveloppe? Je sais pas, ils ont dit dans le courant de la journée, là, c'était pas très précis. Non, c'est pas très précis, je dirais même que c'est tout sauf précis. Gérard, ça te donne rien d'attendre sur le bord de la porte. Mais sans mieux, sur le bord de la porte. T'es ridicule! Ok, meilleur séducteur, on a deux demi-journées pour séduire une fille qu'on connaît pas. Et dont on attend la photo avec impatience. Ouais, Gérard, ça le rend un peu nerveux parce que c'est la première fois qu'il va avoir une date avec une fille. Non, je penserais pas, j'ai été amoureux de plusieurs femmes dans ma vie. Oui, mais les maîtresses du primaire, Gérard, ça compte pas. Oh oui, ça compte! Ah, je sens que le défi va être extrêmement difficile. Regardez-moi, là. Non, non. Chut. Regardez-moi. Pensez-vous que j'ai vraiment besoin d'une stratégie? Non. Hey, ça va pas m'empêcher d'avoir une arme redoutable. La déstabilisation émotive. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est perturber, dérouter la petite princesse. Oh, oh mais Frank, je comprends pas. Oh, on dirait que tu m'aimes pas. Deux demi-journées pour séduire, c'est pas beaucoup. Alors ma stratégie, très simple, faire en sorte que cette fille-là se sente la plus belle du monde. Une recette infaillible à base de compliments savamment choisis, de désirs habilement retenus et de séduction respectueuse. Tout ça avec en toile de fond un feu d'artifice amoureux sur ciel de frénésie étoilé. Je serai son Cyrano, elle sera ma Roxane, je serai son René, elle sera ma Céline, je serai son Batman, elle sera ma Robin. Quelle fut la première céréale prête à manger? La céréale filamentée Shredded Wheat. Tu m'énerves. Comment est-ce que tu sais ça? Pourquoi tu sais ça, la céréale filamentée? Je veux dire, on sait-tu que ça existe, une céréale filamentée? Pourquoi toi, tu sais ça? Tu t'es rasé? Ouais. C'est prêt? Près de la peau? T'es-tu sûr que ça te fait bien? T'es-tu sûr que t'as bien fait? Ben oui. Je sais pas, moi je pense que j'aimais mieux avec la barbe. Ben voyons, c'est mieux rasé. Quand on a une occasion spéciale, on se rase. Je sais pas. Oh! Doucement. C'est sûrement l'enveloppe. Doucement, Guillaume. L'enveloppe. Calme-toi, on a dit, on se calme, Guillaume. Oui. Non! Ok. Oh, salut Gérard. J'ai hâte de faire ta connaissance. Aïe. Catherine. Wow. J'ai hâte de te rencontrer. Catherine, trois becs. Ah, j'ai hâte de te rencontrer. C'est... Le mot est plus intense. Même, regarde comment c'est plus... C'est écrit, c'est comme plus rouge. On sent qu'elle s'est plus appliquée. Comment qu'elle elle a appuyé plus fort. Salut Gérard, tu sais. J'ai hâte de faire ta connaissance. C'est bizarre comment elle me regarde. Tellement de désir. Mépris. Non, non, c'est du désir. Moi, je pense que c'est du mépris. Le désir, il est ici, là. Hey, allô, ça va? Salut, Sarah. Ça va bien, toi-même? Ben oui, toi. Adèle est pas là? Non, elle est pas là aujourd'hui. Quoi? Non. Et moi, on dort. Mais on s'était donné rendez-vous. Ah ouais? Ben, tu veux-tu rentrer quand même? Christophe, merci de me recevoir à la dernière minute. J'avoue que j'étais un peu mal pris. J'ai une fille à séduire, j'ai besoin de conseils. Écoute, on n'a qu'à le jouer. OK. Admettons que je suis la femme de qualité, puis que tu es Girard, puis qu'on est demain. OK. Puis tiens. On soit au cinéma. Viens t'asseoir à côté de moi quand on regarde l'écran en face. OK? Voilà. Il a le film. Écoute, je sais pas trop comment dire ça, mais en fait, c'est parce qu'on fait un défi du meilleur séducteur.
avec mon coloc, puis là, je t'avoue que j'ai comme pas une super confiance ces temps-ci. Fait que je comptais sur Adèle pour essayer de peut-être la convaincre de la frencher, en fait. Okay. Pour me redonner confiance, parce que tu sais, c'est une étape importante dans la séduction, frencher, tout ça. Puis pour un gars aussi, la confiance, très important. Fait que c'est ça, mais là, elle est pas là, je suis pas drôle. C'est juste que là... Ben, c'est à cause que là, ouais. Tu sais, vous êtes comme la Yann. Ah oui, j'ai un peu de pilosité, là. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais là, c'est pas grave, c'est pas là, là. On se connaît, là. Au pire, je peux le faire à sa place, là. Ça te dérangerait pas? Ben, pourquoi pas? Genre de me frencher, là? Ben non, là, c'était pour t'aider à gagner contre Girard, là. J'ai rien contre ça, moi. Ah ouais? Ouais, ouais. OK. Là? Ouais, ouais, là. OK. On va faire comme si tu étais la femme de qualité et que j'étais Girard demain, confiant. OK. OK, ça marche? Ouais, ouais. Alors, regarde. Comme ça, tu regardes. L'air de rien, tu mets ta main comme ça. OK. Puis, tu fais comme ça. Oh! OK. Ben, alors, donc, oui. Ben, merci pour les bons conseils. Oh, yeah. OK. C'est vrai que ça redonne un petit boost. Tu veux-tu quelque chose à boire? Aujourd'hui, jour S pour séduction. Christophe l'a dit hier, des habits dans lesquels on est confortable, un bouquet de fleurs, quelques blagues dans ma besace. Je suis fin prêt. Oh, wow. OK, OK, allô. Allez, Albert. Ça va bien, les amoureux derrière? Vous êtes confortables? Ça va bien? Oui, oui. Oui, merci. OK, on y va, Albert. Mais non, mais tu sais, en bon passionné d'histoire, je t'avoue que moi, j'aurais fait ça, guide touristique. Ah oui? Ah oui, tu sais, je connais bien la ville. Tu sais, dis ça, ben, probablement que tu le sais, c'est le palais de justice. Donc, le nouveau palais de justice qui est situé juste à côté ben, de l'ancien qui avait été inauguré à la fin du 19e, peut-être 1860. Milieu du 19e siècle. Milieu du 19e siècle, l'ancien palais de justice, ouais, ouais. Ben, tu sais, je m'informe, là. C'est drôle, la première fois que j'ai fait du skate, c'était juste ici. Ah oui? Oui, oui, je fais du skate. Dangereux comme coin un peu pour faire du skate? Oui. Mais s'il fallait que je me définisse en un mot, je dirais extrême. Oh, c'est, ça sent bon, ce que le parfum que tu portes, ça sent bon. Si. C'est ça. Ça va être ça, mon kit, pour ma première date avec Catherine. Ouais, j'hésitais entre la salopette, mais les trous, tout ça, à quelque part, c'est peut-être trop à mode. Commencez-vous à comprendre l'astuce. Plus je vais être weird, plus elle va vouloir se rapprocher pour essayer de me comprendre. La théorie de l'essuie-glace. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Aïe, aïe. Je suis en train de devenir lourd comme Girard. Ils sont excellents, en plus, ils sont parfaits. J'ai toujours rêvé d'être touriste dans ma propre ville. Bon, quel accent tu choisis? Ah, je sais pas. Moi, j'ai pensé que je vais être heureuse. Bien. Ah, moi, je vais oh, oh, pardon. Nous gérons la basilique Notre-Dame. Oh, pardon. Je parle pas. Et bonjour, nous sommes la basilique Notre-Dame. Basilique Notre-Dame, juste après le coin à votre gauche. Ah, OK, parfait. T'as changé d'accent, hein? Ouais, 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 je suis rendu en italien. Ah, merci, buona vista al mañana. Hey, merci, hein. J'ai vraiment passé une belle journée. Une belle demi-journée, hein. Parce que demain, il y en a une autre. J'ai hâte à demain. Moi aussi. Okay, qu'est-ce qu'elle fait qu'elle arrive pas? Je vais pas passer l'après-midi en dessous du char non plus, là. Salut! Frank? Salut! Salut! Ah! Attends-moi! Hey, attends, vas-y que je t'aide. Hein? Hey!
Hey! Wow, 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 wow! Tire pas, tire pas! Hey! Salut! Salut! Karine, c'est ça? Catherine. Ah, Catherine! Salut, enchantée! Enchantée. Écoute, tu me donnes juste un coup de main, là? Excuse-moi. Salut! Salut! Écoute, j'avais comme pas pensé. Ma mère, elle m'a demandé de checker les affaires sur son char, pis là, j'ai pas fini, pis ça donne mal un peu, là. Tu veux dire, on fait rien, on va pas nulle part? Ben non, c'est ça, c'est parce qu'il faudrait que je lave le char, là, tu sais. Elle voulait que je check son muffler, l'huile, tout ça, fait que ça donne mal, tu sais. Je sais pas, veux-tu le faire avec moi ou ben non? Ben, je peux peut-être te passer du linge, je suis chef en du linge. T'attends-tu, là, si ça te tente pas, là? Oui. Aïe, aïe, elle est tellement bordélique, ma mère, là, c'est une grosse poubelle, là, son char. L'enfer. Je pense même qu'il va falloir rajouter de l'huile. Quoi? Il en manque. Rajouter de l'huile? Ouais, un peu. Tu connais ça, toi? Ouais, ben, pas super compliqué, là. C'est cool. OK, il y en a dans la vallée, je vais en mettre après. Ouais. Okay. Merci. C'est cool de faire ça, finalement. J'aime ça. Ouais? Ouais. Fait des crochets, là. Pas trop... Tu prends pas la tête avec ça, là. Bon, alors, tu m'as bien dit que tu voulais avoir Catherine avec deux cœurs. Oui, c'est ça. OK. Catherine, c'est ta copine. J'imagine que ça fait longtemps. Oui. T'es en amour. Ah oui. C'est un amour qui transcende le temps, hein, comme un tatou, c'est éternel. Sans vouloir faire de poésie boiteuse, je l'ai vraiment dans la peau. Hey, wow, c'est vraiment beau. Merci. Je suis contente. T'aimes ça? Ah oui, c'est parfait, là. Et toi, si un gars faisait ça pour toi, serais-tu contente? Oui, je serais vraiment contente. Je serais touchée. Ah, très bien, là, ma stratégie. L'essuie-glace. Suis-moi, je te fuis. Oh! Hey! Hey, excuse-moi! Excuse-moi, je me suis accroché. Ouais. Vas-y dans le coin, là. Faut que tu ailles comme il faut dans le coin. Sinon, maman sera pas contente. Ouais. Comme ça. Bien. Pas du tout, tu vois, j'ai des grosses bottes. Salut! Hey, salut! Salut! Puis, c'était la journée? Vraiment bien été? Ben, super smart! Ouais. Écoute, si j'étais intense comme toi, je dirais que c'était magique. Ah ouais? Ouais. J'ai pas beaucoup de mérite, là, mais tu sais, on dirait que j'ai comme le tour avec les filles, là. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as fait, mon gars? C'était bizarre. T'es weird, là, quand je suis arrivé. Troublée? Amoureuse? Je pense pas, non. C'était plus comme apeurée. Elle était contente de trouver une espèce d'espace, un refuge ou enfin être libre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, t'es genre trop intense avec elle, je te connais, là. T'en as-tu trop mis? Non. Ah, ce serait ton genre, juste en faire un peu trop? Non. T'es sûr? Non. Oui. Ça va, Guillaume? Oui. Bon, prêt pour un autre avant-midi de passion ardente? Oh! T'as mis ta petite chemise rose! Wow! Où tu t'en vas avec ça? Tu vas suivre des cours de danse en ligne dans un sous-sol d'église? Non, je m'en vais pique-niquer au lac des Castors parce que tu dois l'ignorer, mais c'est le summum du romantisme pour une jeune femme. Hey, c'est vrai que c'est un des beaux lacs dans la région de Montréal. Avec service de traiteur de luxe. Hey, tu veux pas que j'aille avec vous là, pour vous désennuyer un peu? Ça va être long, toute une demi-journée avec toi. Salut! On va aller s'installer entre la grue et la benne, là-bas. On va être bien. Ouais, très calme. Mais t'aimes-tu ça, les pique-niques? Honnêtement, là, non, pas tellement.
Non, mais attends, tu vas voir qu'avec moi, un pique-nique, ça peut être assez le fun. Là. Je te parle d'un grand pique-nique extraordinaire ici, là, pas d'un simple pique-nique. Hein? Ouais, ouais. C'est cool, t'as pris de l'assurance, hein? Je pensais que t'allais être plus insécure que ça, parce qu'en fait, j'aime ça, les pique-niques. Ah oui? Ah, je le savais, je le savais. Hein? Check, viens, c'est juste ici. OK. Hey, t'apprends l'espagnol? Ouais, mais tu sais, tous les grands amoureux romantiques, c'est des latins. Et puis mon idole aussi, Don Quichotte, hein, en espagnol. Quiero el jugo de naranjas. Qui veut dire? J'aime le jus d'orange. Ah ouais. Ouais. Pff, il fait chaud, hein? Tu trouves? Ah oui, je vois. Tu sais, l'humidité, tout ça. Non, j'ai pas. Toi à l'aise, là. Ouais, je me suis fait faire ça hier. C'est intense un peu, hein? Tu. Ah, non, c'est temporaire. OK. OK, tu peux l'enlever, là, ça va partir. Oui, je peux le. Oui. C'est juste pour faire rire, là, tu sais, c'est pas comme un vrai tatou, là, tu sais, de gars trop intense qui se fait comme. Non, c'est ça. Tu sais, parce que je suis pas. Parce que je suis pas comme ça, là. En fait, ce que je veux, là, c'est que vous jouiez non-stop jusqu'à ce que Gérard pogne les nerfs. OK, non-stop, sont juste là-bas. Ça joue-tu assez fort, ça? Oui, c'est juste fort. OK, vous jouez le plus fort que vous pouvez. OK. Merci, Didier. Ça va. Hey, un accordéoniste! C'est une drôle de coïncidence. Wow, t'as pensé à tout! Non, c'est pas moi! C'est une bonne idée! Mais c'est pour vrai, c'est pas moi. Arrête, là, t'es trop modeste. Hey, j'adore ça, l'accordéon, là. Si. Allez-y, monsieur. Vous pouvez y aller, monsieur, maintenant. Il pogne les mains. Voyons, c'est à nous. Allez-y, monsieur, voyons. Il me cherche dessus, là. Allez-vous-en. Non, on s'entend plus parler, là, ici. Si on s'entend plus parler, on peut peut-être s'embrasser. Aïe. Ah. Une French. Aïe, ils sont embrassés. C'est dégueulasse, embrasser Gérard. OK, attendez. Allez voir, je prépare quelque chose. Moi, je suis même assez généreux, mais je peux être aussi très, très fou. C'est quoi, man? Ouais. Tu peux t'en prendre ta guine? Ouais. Ça dérange-tu? Non, ça va. T'es smart. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je prends un pic. Merci. Okay. OK, Catherine, j'ai quelque chose à te dire. Quand je te vois, je me consume. J'ai la tête dans la brume. Catherine, tu me fais craquer. Ton sourire me fait chavirer. J'ai beau essayer de jouer les durs, mais ton charme fait fondre mon armure. Impossible de te résister. Embrasse-moi sans plus tarder. Sans plus tarder. Sans plus tarder. Embrasse-moi. Woo! Woo!
OK, bien, merci beaucoup d'être venu chez nous pour le verdict. Ça fait plaisir. C'est pas facile pour moi, là. Je le sais que je vais décevoir, là. Ah, mais ça, c'est normal, on est habitué. Ben, pas tout le monde, mais... OK, j'ai choisi... Frank. Et Girard. De quoi? Hein? Ben, parce que les deux, vous m'avez surpris, vous m'avez gâté. Non, non, attends, Frank et Girard, ça marche pas. Faut choisir, ça veut dire comme prendre quelqu'un puis laisser ça quelqu'un d'autre. Pas, je sais, mais. Non, il faut une claque, Catherine, il faut une claque. Il faut une claque. C'est ça le concept de l'émission. OK. Ben, on fait une claque. Ouais. On fait une claque. Là, je vous donne 15 minutes, puis celui qui m'impressionne le plus, c'est lui. OK. Pas de problème. OK, 15 minutes. Hey, OK. Non, on garde, sois pas. 15. Bon, c'est bon, les gars, là. Ça fait 15 minutes. Bon, ouais, on arrive. C'est fini, là. Aïe, là, ça doit faire mal. Ouais, c'est extrêmement douloureux. Ouais, c'était donné, hein? Frank, je comprends pas, c'est... Tu comprends pas? C'est juste ça? Non, c'est pas juste ça. OK, comment il s'appelle, ton chien? Bichou. OK. Pourquoi? Bichou. Viens. Viens, Bichou. Ah non. Non. Ah, Frank. Ah. Ah, c'est dégueulasse. OK, c'est bon, hein? Il a une hygiène buccale de merde, ce chien-là. Il faut lui brosser les dents. OK, les gars, je sais pas, là, les deux, vous m'impressionnez, je suis pas capable. Attends, là, faut que... Ça peut être nul? Mais non! Ça pourrait être nul, là, non, c'est ça correct. Non, ça marche pas. Regarde, oublie ça, là, Catherine, elle y arrête, là, Gérard, on se fait niaiser, là. On se fait niaiser, non, moi, je m'en mais vais. C'est non, juste non, que regarde, Gérard, je sais... Hey, regarde-moi en face, Frank, là, je veux dire, ton chien, là. Je sais juste pas... Hey, viens-t'en, Gérard, qu'est-ce que tu fais? Viens-t'en. Ça pourrait être nul, c'est tout. Non, il y a pas de nul, là, viens-t'en. Oh. Qu'est-ce que t'aimes pas chez un homme? Que j'aime pas? Ouais. Ben, un homme malhonnête. Ah, ouais, OK, ouais. Ça me fait penser à quelqu'un. Fait que là, je me réveille en sueur. Je suis comme pognée d'une momie. Je comprends plus rien. J'ai super chaud. C'est fucké parce que moi aussi, je fais tout le temps ce rêve-là. C'est temporaire, hein? Oui, certainement. Ça dure environ une semaine.